The Congo Kinshasa is in its peace recovery phase. Congo is safe now and worth visiting. Hospitality facilities are booming and modernizing. Once on a trip to the Congo, I decided to meet three managers of some of the revolutionary hotels and guest houses. My curiosity was met with surprises. In terms of services, Congo is catching up on the Western hospitality system. Hotel staff are trained. Hotel use major credit cards and ATM are now available. Utilities such as internet and electricity are improving and getting hassle-free. More surprisingly, tourism is resuming and more people are visiting the once known as a country at war. Congo is back on its feet again and ready to receive you and me in its hotels. Four hotels were intentionally selected for their high standard and inviting service: Hotel Ihusi, VIP, and Tour Effet in Goma, and Alpajob Guest Houses in Butembo for making this documentary. Je vois un beau cadre qui semble un peu à l'Europe. On se dirait en Afrique du Sud ici. Et où est-on ici? Nous sommes exactement à Goma. Oui. Goma, c'est le chef-lieu de la province du Nord Kivu. Okay. Le Nord Kivu est une province de la République démocratique du Congo. Mm-hmm. Oh, et donc, c'est là que nous nous retrouvons. Oh. L'hôtel Ihusi est situé au bord du lac Kivu que nous voyons de l'autre côté. Tel que vous le voyez, la vue d'ailleurs est très belle. Oui, je peux voir à partir d'ici les collines du Rwanda et je crois qu'il y a sûrement une île qui se cache. Oui, l'île Didji. L'île Didji. Ils sont des sites vraiment impeccables. Oui, et le nom Ihusi vient d'un village Didji. Ah bon, ouais. C'est un nom emprunté de l'île. De l'île, oui. Okay. Donc c'est un village qui se trouve là-bas. Okay. Et donc les collines telles que vous l'avez dit, c'est le Rwanda. Voilà, et c'est une vie pittoresque et vraiment impeccable. Merci beaucoup. Mm-hmm. Okay. Ah mais alors je comprends que c'est pratiquement une région qui a pratiquement une grande valeur touristique. Et quelqu'un qui arrive dans votre hôtel, peut-il compter à certaines orientations, directions pour savoir quel site touristique visiter ici? Oui, nous orientons nombreux de nos clients, surtout les touristes. Mm-hmm. Y a même certains qui nous contactent avant de venir. Nous faisons des contacts pour eux, okay, afin qu'ils puissent visiter les sites touristiques facilement. Okay. Et nous connaissons les services nationaux qui s'en chargent. Nous prenons contact, nous leur facilitons. Mm-hmm. Et même les lettres d'invitation que nombreux demandent pour avoir leur visa. Mm-hmm. L'hôtel peut faire ça quand vous avez réservé nos ambassades. Mm-hmm. Là où les étrangers se retrouvent, mm-hmm, intervient pour les aider et leur donner des facilités pour le visa. Impeccable. Et quel genre de tourisme pouvez-vous conseiller pour la région? Si quelqu'un vous arrive, si moi-même je vous arrive ce soir, oui, quel genre de tourisme offrez-vous dans la région ici? Ici, en tout cas, il y a une diversité. Mais ce qui attire beaucoup plus les gens, c'est la visite des gorilles, des montagnes. Okay. Il y a aussi la visite du volcan Nyiragongo, qui, okay, est encore en éruption, mais on peut gravir le volcan jusqu'au sommet. Alors, monsieur le directeur, je suis en train de découvrir certains aspects qui sont assez intéressants ici. Que disons-nous maintenant de ce stade qui est si actif?
Bon, en fait, ça, nous avons deux terrains de tennis tels que vous le voyez. Ouais. Et c'est ouvert aux clients. Okay. Tout client qui loge a accès gratuitement. 24 sur 24. 24 sur 24, il peut jouer au tennis, il peut nager gratuitement. Et ceux qui viennent de l'extérieur de l'hôtel, ce sont ceux-là qui peuvent payer. Ok. Ouais. Et si je viens de l'extérieur, combien je vais payer pour accéder à ça? Pour la piscine ou le tennis, c'est 10 $ par séance. Okay. Les enfants, c'est 5. 5 $ Oui. Ouais, il faut avouer que le tennis, quand même, un jeu très rare. Qu'est-ce qui vous a inspiré de l'amener ici? Bon, en fait, nous avons un patron qui a toujours de l'esprit créatif et il sait comment faire pour attirer les clients, parce que parmi les éléments qui peuvent attirer les clients, il y a aussi ces activités. Effectivement. Oui. Oh, très efficace. Merci. Oh, ok. 1930, Goma, a small fishing village, has grown to become the touristic capital of the Congo Kinshasa, where approximately 1 million residents live. Many tourists visit to have a glimpse at an active volcano, the Nyiragongo. The temperature in this town is always gorgeous, ranging from 60 to 90 Fahrenheit. Monsieur le directeur, je comprends que finalement vous avez tout ce qu'il faut pour qu'un client se sente très à l'aise ici. Là, je crois que nous sommes dans quel département de votre hôtel ici? Bon, vers ici, c'est déjà les restaurants. Okay. Et là, nous sommes au balcon du restaurant, un balcon qui est juste au-dessus du lac. Et mais écoute, ça, c'est vraiment une œuvre que moi-même, je suis en train d'admirer. Je crois que je suis parmi les plus heureux sur la terre quand je me retrouve ici, avec une belle vue, Inch'Allah. Une belle vue sur le lac. Et, mais je crois qu'ici, ça doit être le coin le plus appétissant possible. Bon, vous avez déjà essayé de prendre un repas ici vous-même? Oui, régulièrement. Okay. Ce n'est pas mal. Oui, et quand vous êtes là, vous avez l'impression d'être sur un bateau. Absolument. Tel que vous le voyez. Okay. Et manger en ayant l'idée que d'être dans un bateau, ce n'est pas donné à tout le monde. Non, et il faut non, être ailleurs aussi pour en bénéficier, parce que là vous êtes sur le lac Kivu. Oui, et je crois que moi-même, je dois dire un petit mot de félicitations à l'architecte qui a dû concevoir tout ça, et c'est vraiment une œuvre admirable, et je crois que ça montre un peu nos capacités de créativité. Hein. Et à ce niveau-là, peut-être je pourrais ajouter que ce sont deux architectes congolais qui ont commencé l'hôtel. Ok. Hein. Oui, et ce restaurant avait été fait par un Indien. Ah, et le restaurant a été conçu. Juste le restaurant ici, oui. Mais tout le reste, c'est fait par deux Congolais. Par deux Congolais. Oui. Nous consommons local. Oui, voilà. Monsieur le maire d'hôtel, pouvez-vous encore nous dire votre nom? Oui, je m'appelle Mungazi de moi. Oh, monsieur Mungazi, bien. Voilà, nous comprenons que vous avez une bonne expertise sur Ihusi. Quelle est l'expérience que vous avez à partager avec nous aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons l'expérience avec le bon service de l'hôtel, le bon déroulement de l'hôtel, le bon accueil de la part de notre équipe qui vient à l'extérieur comme les locaux. Ok. Ou de nos clients traditionnels. Ok. Et quels sont les clients vous disent à la fin de leur séjour? À la fin, ils disent merci beaucoup et bon service. Le service a été bon. Avec beaucoup de satisfaction, quoi. Oui, bien sûr. Oh, okay. Et ça fait combien d'années que vous êtes dans l'hôtellerie et l'hospitalité? Ici à l'hôtel, et aussi j'ai 4 ans. 4 ans. Oui. Et c'était tout comme expérience dans l'hôtel? Comme expérience, j'ai travaillé à la Ruinti. Ok. J'ai fait un beau travail aussi à l'hôtel Masque. L'hôtel Masque, ok. Oui. Oh, donc vous êtes des vétérans même. Oui, on est des vétérans. Du service d'hospitalité. Oui, oui. Oh, ok. Bien, alors c'était un plaisir de vous parler. Est-ce qu'il y a un mot que vous voulez dire aux clients qui n'ont jamais visité le coin? J'aimerais que les clients viennent beaucoup plus mieux. Ils seront bien accueillis à l'hôtel de Hussi. Et puis, je leur souhaiterai un bon accueil. Ok. Merci bien. Je vous en prie.
Là, nous nous retrouvons en direct dans une des chambres pratiquement, je dirais, royales. Comment vous décrivez cette chambre? C'est quelle catégorie? Oui, là, nous sommes dans un mini-appartement. Mm-hmm. C'est une chambre avec un petit salon à côté. Mm-hmm. Donc, le client qui loge ici a la possibilité de recevoir ses visiteurs mm-hmm. juste dans sa chambre. Mm-hmm. Et à l'extérieur, il a un grand balcon mm-hmm. qui donne directement au lac. Ok. Oui. Et là, pour ma poche, combien je dois débourser pour passer ma nuit ici? Pour cette chambre, ce n'est pas de la mer à boire. $150. $150 pour une nuit? Pour une nuit. Oh, ok. Mais je crois que ça, c'est vraiment, comme les anglophones disent, a bargain. Ah, voilà. Bonjour, soyez le bienvenu. Ok, moi c'est Pierre. Moi c'est Kennedy, le directeur de Guest House Tour Effet. Quel plaisir. Monsieur le directeur Kennedy, j'ai été vraiment impressionné par l'apparence extérieure de votre hôtel. Ça fait combien de temps que l'hôtel existe? Oui, l'hôtel est encore neuf. Ça fait au moins une année que l'hôtel existe. Une année? Oui. Ok. Mais bon, alors là, nous sommes en train de parler du Tour Effet. Où est-ce que Tour Effet se trouve? Où est-ce qu'on le localise sur la planète Terre? Sur la planète Terre, on les trouve dans la République démocratique du Congo, mm-hmm. province du Nord Kivu, mm-hmm. dans la ville de Goma. Ok. Ouais. Et je comprends que nous avons connu des échauffourées, des tiraillements et moments. Et comment pouvez-vous me convaincre de venir ici à Goma? Pourquoi? Oui. À Goma, vous dites que la sécurité est garantie. Mm-hmm. Et Goma, c'est une ville touristique. Okay. C'est la capitale touristique de toute la République démocratique mm-hmm. du Congo. Okay. Alors, si vous arrivez, votre sécurité sera garantie. Mm-hmm. Nous allons prendre votre sécurité à main et nous avons tout ce qui est nécessaire pour vous mettre à l'aise. Ok. Ok, monsieur le directeur, je suis très très curieux. Ça c'est un hôtel, je comprends bien qu'il y a des chambres, que vous recevez des visiteurs. Mais pouvez-vous nous briefer plus ou moins quel genre de service vous offrez ici? Ici nous avons les restaurants, okay. les bars, okay. nous avons les logements, okay. Nous avons aussi une salle de conférence okay. Pour les jeux. Nous avons un jeu billard. Okay. Nous avons aussi des jeux pour les enfants, mais ça, on les met le week-end. Le week-end, le week-end. Et vous avez parlé du bar et du restaurant. Oui. Si je ne loge pas ici, m'est-il autorisé de venir aussi? Oui, oui, tout le monde est autorisé. Oui, oui. C'est les restaurants et les bars est ouvert à tout le monde. Ok. Même si ceux qui ne sont pas logés. Et quel genre de catégorie de chambres vous avez ici? Et comment c'est catégorisé? Est-ce que c'est seulement une seule catégorie ou il y en a? Non, nous avons des singles. Okay. Des doubles rooms okay. et aussi des semi-appartements. Ok. Oui. Mais c'est vraiment intéressant de connaître que vous avez beaucoup de dynamisme en une année. Comment vous résistez à la compétition? Oui, la compétition à soi, ce n'est pas facile d'y résister. Okay. Mais c'est compte tenu des relations cotisées et surtout les services qu'on aura aux clients okay. qui fait qu'on puisse résister. Vous avez oui. eu quelques feedbacks de la part des clients? Ils ont-ils écrit pour vous donner leurs impressions, soit négatives ou positives? Oui. Et comment vous avez réagi à ça? Oui, nous avons une boîte de suggestions à la réception. Okay. Et aussi, nous les contactons après les services, okay. leur degré de satisfaction. Okay. S'il y a quelque chose à améliorer, nous améliorons. Et ce qu'ils nous disent, nous tenons compte des remarques des clients. Ok. Ouais. Et bon, à combien ça coûte une chambre ici?
Une chambre, il y a pour $50. Ok. Il y a aussi pour 60. Ah bon. Pour $80. Ok, ok. Oui, alors pour nos clients habituels, nous faisons une petite remise, petite réduction. Ok. Et bon, je suis, j'habite Boston. Je veux venir à tout effet. C'est ça le nom de votre effet. Oui. Je connais pas Goma et je vous contacte. Comment vous allez m'aider à venir loger chez vous ici? Oui, si vous nous contactez par téléphone ou par email, nous avons un site internet. Ok. Vous pouvez nous contacter, et soit en arrivant à l'aéroport, il y a moyen de vous amener, puisque notre hôtel, ce n'est pas loin des bureaux du gouverneur. Ok. À 100 mètres diagonale de là, vous pouvez arriver. Ok. Par taximène, si vous le dites, je vais à Tour Eiffel, à diagonale du bureau du gouverneur. Ok. Il va vous faire arriver sans problème. Mais si je comprends bien, donc, vous n'avez pas un service de transport à partir de l'aéroport jusqu'ici, mais vous savez faire des arrangements avec les privés pour amener les clients jusqu'ici. Oui, bon, mais nous avons aussi notre véhicule. Okay. Si un client nous dit il va arriver à telle heure, okay, avec tel appareil, nous prenons le soin d'aller l'attendre nous-mêmes à l'aéroport. Dans le cas contraire, s'il est arrivé tôt que prévu, il peut prendre un taxi et arriver au guest. Ok. Bien, alors je comprends que vous avez parlé du restaurant, mais est-ce que vous pouvez nous montrer plus ou moins à quoi ça ressemble votre restaurant? Ça va. Nous sommes au restaurant ici? Oui, ça c'est le restaurant. Ok. Oui. Et j'ai eu à parler à votre chef, il m'a vraiment épaté par son talent de faire la cuisine africaine. Oui. Personnellement, est-ce que vous avez eu à interagir avec les clients qui viennent se régaler ici? Oh oui, quand ils prennent leur nourriture, je leur pose la question après avoir mangé. Ils disent qu'ils sont vraiment satisfaits de la façon dont la nourriture a été préparée. Mm-hmm. D'ailleurs, vous voyez ici, on a déjà fait une réservation. Okay. Il y a 6 personnes qui vont venir manger. Ça, c'est leur table qu'on leur a réservée. Uh-huh. Ouais. Donc la demande, elle est vraiment active et élégante. Ouais, ok, ça oxane ça n'a pas de bouquet Gunan. Je n'ai Jimmy. Jimmy, ah bon. Na oui, hôtel, on a fait un casque. On a trouvé un casque à cuisine. Ça, ça me dit ça, parce que nous avons un petit peu de touche à mon cognac ou qui touche à l'eau, il faut que ça soit samak. Ok, il y a samak à mon délégué, il y a samak à Jinak. Il faut tilapia, moi. Ok, tu as bien. On a traité dans mon agriculture. On traité Iko. Il y a un barbecue. Ok. Tu as déjà commencé kwanza na chumvi. Ok. Kiloko. Je n'ai fika pale, après pale njo itakuwa na geuzwa pole pole. Ok. Donc chumvi tu dois traiter dans tien là. Na sauce. Jimmy, ah bon. Okay. Na mui hotel on a fait un casque. Natumika kazi ya cuisine. Sasa miujiza hapa tunaweza ona kidogo matushi ya mkono yako gisi unafanya. Matushi kiloko iko tunaweza sai samaki. Okay. Ni samaki ya model gani hii? Samaki jinaki. Iko tilapia. Mwae. Okay, kwa hiyo. Unaitrete na mna gani pale? Kutrete iko inaingia ku barbecue. Okay. Tunaanza kamata kwanza na chumvi. Okay. Kiloko. Je nafika pale, après pale njo itakuwa na geuzwa pole pole. Okay. Eh? Donc chumvi tu dois traiter dans tien là. Na sauce. Sauce. Okay. Donc il est juste secret ça ya utamu yote ya samaki. Ndio. Ah, bon. Hii nani composition kuna pale kama natengeneza kana nini? Composition tunakamata na poireau vert. Poireau vert. Ya kibumba. Ya kibumba. Ah, tunakamata onyo rape. Okay. Tunakamata tomate fraise. Okay. Rape. Tunakamata kibe. Okay. Tunakamata sereli. Na tomate concentré. Isha kwa shimimu ya matata sana. Ah, yeah. Ndio inaenda sasa ku kitu agriana. Saba client yako wanasema gani juu ya chakula yako? Tukawa client wanafurahi sana. Okay.
je comprends que ça c'est un poulet qui est élevé au Congo avec une main congolaise, une présentation imaginative congolaise et un mets africain avec toutes les composantes africaines. Je t'assure que mon appétit est au point. Oui, oui. Ça, c'est... Bon appétit. Oh, merci beaucoup. Ah, mais c'est pas encore fini, mais écoute, ça, c'est vraiment romantique, ça. Hein? Je peux pas vraiment patienter pour goûter ce... Ce poulet qui est bien rôti, qui a été bien grillé sur les braises. On appelle ça grillé sur le makala ici chez nous au Congo. Hmm? Ce morceau là, je veux le déguster et je vous en dirai quoi. Merveilleux. Vous savez quoi? Je vous invite à table. Si vous aurez l'occasion de passer par Goma, venez encore goûter ça. Ça coûte très bien. Bien, je vous l'architecte. Est-ce que nous sommes invités à visiter un des chambres? Oui, pouvons visiter l'une des chambres. Bon, alors ici nous sommes dans une chambre, quelle catégorie ça c'est un semi-appartement. Semi-appartement. Ah oui. Ok, si moi je peux loger dans cet appartement, combien je vais débourser? Ici vous allez débourser 80 dollars américains. 80 dollars. Oui. Je vais ajouter seulement. Oui. Ça c'est un real bargain, comme disent les anglophones. Ok. Oh, ouais, mais et dans ces prix, il y a le breakfast hein, qui est inclus. Je prends mon petit déjeuner inclus avec 80 dollars. Oui. C'est une chambre double. Okay. Oui. Mais avec celle-ci, on peut voir les lacs facilement. Ah oui, mais je crois que c'est ma chambre préférée. Là, je me lève le matin et je fais mes prières ici, une bonne méditation. Wow. Et là, vous offrez cette vue à combien? Cette vue, nous l'offrons à 60 dollars. 60 dollars. Ouais. Ok, ça c'est vraiment impeccable. Ok, bien. Bien, monsieur le directeur Kennedy, je vois une représentation de la tour Eiffel et vous m'avez dit l'hôtel s'appelle tour Eiffel. Oui. Vous avez quel genre d'inspiration pour ça? Oui, nous avions voulu construire quelque chose qui ressemble à tour Eiffel. Ok. Puisque notre vision est que la maison ne puisse pas rester comme elle est. Okay. Nous voulons étendre que ce soit une grande maison, la hauteur et aussi l'espace. Okay. Nous voulons que nous puissions recevoir ou accueillir un grand nombre de clients. Okay. Ouais, alors c'est cette tour-là qui représente tour Eiffel pour que vous montrer notre vision, que ce sera une vision de loin. Okay. Ouais. Tour Eiffel.
et tour Eiffel sur le mur. Ça, c'est vraiment une bonne idée. Alors, Monsieur Kennedy, vous avez un dernier mot à nous dire Je peux leur dire que les passages à Goma, qu'ils ne puissent pas oublier de venir visiter Tour Eiffel, de goûter aussi les mets que nous pouvons leur présenter là-bas. Ils ne seront pas déçus. Nous faisons tout ça pour qu'ils puissent revenir. Tous ces mets et tous ces services pour les traiter comme des rois, oui. Ici à Tour Eiffel. Oui. Nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie. Oh, okay. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, bonjour, grand chef. Quel plaisir de se revoir. Ah, je suis très ravi de vous revoir encore une fois. Ah, une histoire avancée. Oui, soyez les bienvenus chez nous. Ok. Monsieur le Président, je peux connaître un peu votre nom pour vous présenter à notre audience. Je réponds au nom de Katembo Kikandaou Lolo. Ah bon, et mon nom de baptême, c'est Jérémy même. Ouais. Ouais. Ça me fait grand plaisir d'être reçu dans ce si beau cadre ici. Pouvez-vous nous dire où nous sommes maintenant? Ici, nous sommes présentement à l'hôtel VIP Palace. Ok. Et présentement, notre hôtel est mieux réputé et reconnu par tous les Congos, et en particulier, en général, le monde entier. Oui, et pouvez-vous nous dire exactement dans quelle ville nous sommes ici? Présentement, nous sommes dans la ville de Goma, c'est-à-dire à l'est de notre pays, qui est la République démocratique du Congo. Ok, et alors, historiquement, votre hôtel, il a à peu près quel âge d'existence? Notre hôtel a une existence de 7 ans. 7 ans déjà? 7 ans déjà. Ah bon, et quel niveau de satisfaction vous pensez que les clients ont reçu de la part de vos services? Vous savez, tout au début, ce qui est important dans ce secteur, c'est d'abord l'accueil. Okay. Parce que l'accueil, c'est la clé. Mm-hmm. Parce qu'au niveau même de la réception, il y a un calcul de 10 fois 10. Okay. C'est-à-dire juste que les clients se pointent à l'hôtel avant même d'accéder dans les halls d'hôtel. Mm-hmm. C'est-à-dire les clients le disent. Première minute, c'est-à-dire 10 fois 10, c'est-à-dire les 10 premières minutes, mm-hmm. le client va directement étudier que non, c'est un beau cadre ou ce n'est pas un beau cadre. J'ai l'impression que je viens de parler à un professionnel. Oui. Mais je vois ici un local qui a pratiquement des aspects particuliers. Où sommes-nous ici dans le cadre de cet hôtel? Ici où nous sommes dans notre restaurant, c'est-à-dire okay. dans notre restaurant. Ok. Et puis savoir... quel mets vous présentez aux clients ici? Ici, nous avons, nous faisons la cuisine congolaise et la cuisine étrangère. Ah bon? Ouais, ouais. Alors moi, je suis plus intéressé par la cuisine congolaise. Là. Ouais. Quelle est cette spécialité que vous présentez ici? Les spécialités ici que nous présentons, c'est notre tilapia de notre bon lac. Oui, mais ça, j'ai eu déjà écho de ça à partir des États-Unis, mais quel est... Pourquoi le tilapia peut être si spécial quand on arrive à VIP? Le tilapia est si spécial parce que nous avons une ménagère, c'est-à-dire la cuisinière Maman Massika. Okay. C'est-à-dire elle vient de faire longtemps, et c'est-à-dire elle fille d'ailleurs la cuisinière d'Ife Mobutu, c'est-à-dire qui fit notre président de la République démocratique du Congo. Mais vous avez les Zaïre autrefois, oui. De l'ancien chef de l'État ici? Oui, 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 oui. Nous l'avons ici vraiment. Mais alors là, c'est vraiment une surprise qui est très belle pour moi. Oui. Bien, alors je comprends que ça, c'est un service hospitalier. Oui, et nous venons de parler du restaurant. Oui. Bon, quel autre aspect on peut découvrir dans votre restaurant? Dans notre restaurant et si j'ai soif, qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a les manger, c'est-à-dire ici nous combinons les bars et les restaurants. Le bar. Une fois pour toutes. C'est ouvert aussi au public externe? Ouvert vraiment au public externe, 24 sur 24. 24 sur 24. Oui, oui. Je peux venir, mais, disons. Anytime, really. À étancher ma soif à 3h du matin. Oui, vraiment. Ok. Il n'y a pas de problème. Mais ça m'intéresse beaucoup. Vraiment.
Et voilà, si je veux manger à ma faim, vous estimez qu'il me faut combien en poche? Si vous voulez manger en faim, il vous faut tout un minimum. Minimum au moins 7 dollars. À 7 dollars, ouais, ouais. Je peux me régaler à faim. Régaler vraiment. La composition de ces mets, parce que vous aurez une salade, une entrée, c'est-à-dire une entrée, une salade VIP. Et après ça, vous aurez votre plat consistant. Si vous voulez une brochette ou un quart de poulet à ce prix-là de 6 dollars, ça va vraiment. Alors, monsieur le président, quel est le secret? Pourquoi le client vient, revient et vient encore? Restez chez vous. Parce que le client vient et revient parce qu'il y a d'abord l'accueil. Parce que ce qui impressionne le client, c'est l'accueil. Une fois dans la porte, une fois à la porte de notre restaurant ou à la porte de notre hôtel, c'est-à-dire le client se sent à l'aise. Il y a des gens vraiment qui vous sont... Vous pensez que VIP est plus expert dans ce domaine que tous les autres hôtels de Goma? Je peux le dire parce que VIP, c'est à part l'hôtel, c'est une place là où il y a une bonne formation. Parce que la plupart des personnels qui quittent dans cet hôtel pour aller ailleurs, ils quittent pour aller devenir directeur. À VIP, ouais, ouais. Le personnel est formé. Formé vraiment. Donc c'est l'expert. Vraiment. Ok, bien. Bien, alors, monsieur le directeur, ce cadre si joli, vous avez combien de chambres au total? Ici, nous avons une trentaine de chambres. Une trentaine? Oui. Ça me donne l'air d'être si petit, mais c'est quand même une belle surprise. Et quel genre de catégories de chambres vous offrez ici? Ici, nous avons toutes les catégories, c'est-à-dire présentement à cet hôtel, à ce bâtiment, nous avons une trentaine de chambres. Okay. Mais nous avons un autre hôtel juste derrière cet hôtel. Okay. C'est aussi un hôtel VIP. C'est toujours l'hôtel VIP. Mais nous le surnommons VIP Flat parce que la plupart des chambres qui sont de l'autre côté sont des appartements. Ok. Ouais, ouais. Et donc, vous avez seulement deux catégories de chambres ou une seule catégorie? Non, nous avons au moins trois catégories de chambres. Okay. Alors, dans une chambre, qu'est-ce que vous m'offrez dedans? Juste un lit ou je peux avoir mon service, tous les services dont j'ai besoin ici délivrés dans ma chambre? Oui, nous vous offrons tout d'abord il y a la chambre en question. Ouais. Et après la chambre, il y a des facilités, c'est-à-dire une fois que vous êtes logé à l'hôtel VIP, et vous avez accès à l'internet 24/24, c'est toujours d'aller dans l'écoute de la chambre. Oui. Sans internet, je ne viens pas chez vous. Merci, merci infiniment, merci beaucoup de cela. Après ça, nous offrons aussi un petit déjeuner le matin, qui commence à 6h30 jusqu'à 10h. Et c'est inclus dans ma facture. Et c'est inclus toujours dans la facture de la chambre en question. Okay. Et après cela, il y a aussi le week-end, parce que il faut que les gens vraiment se sentent à l'aise. Il y a aussi un orchestre de l'hôtel VIP Palace. Ah bon? Pour essayer vraiment d'égayer les clients, divertir au maximum les clients. Up north, in Butembo, in the eastern Congo, hospitality business is also booming. Once viewed as low-class and non-Christian business in this town, hotels are being built on a monthly basis, making it very competitive and less profitable. A town mostly visited by buyers and other businessmen for commodities availability, the number of hotels has surpassed the demand. It might be advisable for now for the city hall to make Butembo more attractive to tourists in order to increase the demand. Therefore, Butembo Airport and access highways should be made safer and modern. Otherwise, the town of Butembo, built on multiple hills, remain a tourist-friendly area very close to the beautiful mountains of Ruwenzori
Kiabirimu, and the park of Virunga, all harboring a diverse population of an attractive wildlife. Alpajob Guest House is one of these hospitality facilities in Butembo. With its revolutionary custom service, it uses only trained staff. It is safe and worth visiting once on a business trip in the Eastern Congo. The service is customarily comprehensive, including a restaurant, a bar, rental car, and accommodation. The meal can be made at the client's taste. One thing common to Butembo is that utilities are still slow or not available. Therefore, clients have to adjust to a less comfortable way of taking a shower or for electricity outage. However, efforts are being made to stabilize the supply of these utilities. Monsieur le directeur, c'était vraiment un honneur, un plaisir de pouvoir vous parler et écouter de votre propre bouche ce qui se passe dans ce cadre ici. Avez-vous un dernier mot maintenant? Premièrement, je vous remercie d'avoir visité IOC Hotel et surtout que vous venez de très loin. Et les gens qui vivent loin d'ici, ils ont tendance à mystifier la situation sécuritaire dans notre contrée. Et je vous assure qu'aujourd'hui, vraiment, la situation dans notre région est très calme. Et c'est ce qui permet d'ailleurs à notre entreprise hôtelière de pouvoir travailler convenablement. Et ceux qui sont loin, qui ont encore peur, croyant que Goma demeurera une zone rouge, je leur dis qu'aujourd'hui, je dirais que c'est une zone blanche. Et verte. Blanche et verte, voilà. Et nous avons la paix et tout marche bien. Et l'insécurité fait maintenant partie du passé. Oui. Vraiment, merci pour ce mot d'espoir et courage, beaucoup de bénédictions. Merci beaucoup. Uh-huh.